Spider-Man était un héros. Je regrette, j'ai pas su le voir. C'était un... un voleur! Il m'a piqué mon costume! Votre fidèle serviteur l'a régné, mais c'est une menace pour la ville entière, oui! Qu'on poursuive en justice ce grimpeur de mur arachnéen! Je vais le faire pendre à sa toile par les pieds! Je veux Spider-Man! Vous pourriez me payer d'avance? Vous êtes sérieux? Vous payez pour quoi? Pour respirer? Planétarium demain soir, 20h. La porte est là. Qui est Spider-Man? C'est un criminel, voilà qui c'est. Un mercenaire, un ennemi public. Qu'est-ce que cette fricouille fait sur ma une? Monsieur Jameson, votre femme sur la 2, elle voudrait savoir... Monsieur Jameson, il y a un problème avec la page 6. Eh ben nous, on a un problème avec la 1, la ferme. Bien. Alors? Mais c'est un scoop. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Il a quand même sauvé 6 personnes dans ce métro. Ça devait être lui le responsable de l'accident. Un machin des rails et ce nuisible appareil, regardez ça. Il fuit les lieux du crime, que dites-vous de ça? Mais non, il ne fuyait pas, il allait probablement sauver quelqu'un d'autre. Ce type est un héros. Alors pourquoi il porte un masque? Qu'est-ce qu'il a à cacher? Elle aimerait savoir si vous voulez du chintz ou du velours dans la salle à manger. M'en fous, mets-moi cher. Monsieur Jameson, voilà ce qui se passe. On a promis 2 fois la page 6. Autrement dit, Macy's et Conway's ont réservé la même page. On a épuisé 4 tirages. Épuisé? Jusqu'au dernier exemplaire. Demain matin, l'homme araignée, première page avec une photo potable cette fois. Mettez Conway's en page 7. Il y a un problème. Très bien, page 8 avec 10% de rabais. Non, 5% c'est... de rabais. Non, c'est impossible. Dehors! Le problème, c'est qu'on n'a pas une seule photo potable. Il dit qu'il travaille depuis des semaines, et à chaque fois, on ne fait que l'apercevoir. Oh, ce petit est timide. Si on trouve des photos de Julia Roberts en string, on peut bien trouver les photos de ce rigolo. Mettez une pub à la une. Récompense pour une photo de Spider-Man. S'il ne veut pas être populaire, je me charge de le rendre impopulaire. Minable, 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 méga minable. 200 dollars pour l'ensemble. Ça me paraît un peu faible. Allez les vendre au plus offrant. Monsieur, votre femme dit que le carrelage que vous vouliez pour l'entrée n'est plus en stock. Dites-lui qu'on mettra un tapis. Assis ! Faites voir. Je vous en offre 300, c'est le tarif standard pour les piges. Dégagez-moi la une, mettez cette photo à la place. Le titre ? Spider-Man, héros ou menace ? Photo exclusive du quotidien. Menace ? Il est venu protéger ce fou. Objection, avocat, vous prenez vos photos et je fais mes titres, d'accord ? C'est bon, ça vous convient ? Oui, monsieur. Chouette. Donnez ça à la fille dehors, elle vous fera payer. Je voudrais une place, monsieur. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Apportez-moi d'autres clichés de ce clown vendeur de paperasse, peut-être que vous me les fourrierez. Mais je vous ai jamais promis un job. De la dinde. Je vous offrirai une belle dinde pour Noël, je ne peux rien faire de mieux. Allez dehors. Apportez-moi d'autres photos. Rôde toujours. Chérie, on organise un mariage, pas un dépôt de bilan. Du caviar? Pourquoi? On invite le tsar? Oh, du fromage des crackers, c'est un assortiment d'apériboules. Patron, il y a un éboueur qui a quelque chose qui devrait vous intéresser. Ne me dites pas qu'il y a la tête d'un extraterrestre là-dedans. Si oui, vous êtes le 3e de la semaine. Bon Dieu, où vous avez trouvé ça? Dans une poubelle. Dans une poubelle? C'est pas vrai, il a dû laisser tomber. Il a dû jeter l'éponge, abandonner sa désolante petite mascarade. Je l'ai enfin dégoûté. Le pouvoir de la presse triomphe. Ouais. Bon, alors écoutez, je crois que je mérite un petit quelque chose pour ça. Filez-lui 50 dollars. J'en tirerai plus que ça sur eBay. 100. Mademoiselle Brandt, allez le faire payer, offrez-lui un morceau de savon. Votre femme est toujours en ligne. Des fleurs? Cher? Dépense 1 dollar de plus et t'auras qu'à cueillir des pissenlits sur ma tombe. Du plastique. Je te laisse, j'ai un scoop. Spider-Man, c'est terminé! Parker, Coco, vous êtes viré. Pourquoi? Des chiens qui rattrapent des frisbees, des mouettes en bord de mer, 2 vieux croutons qui jouent aux échecs. Patron? Pas maintenant! Le quotidien pourrait peut-être montrer un autre aspect de New York pour changer. Jonah, on est à 6 minutes du bouclage et on n'a même pas de une. Parker, je ne vous paie pas parce que vous avez une âme d'artiste. Je vous paie parce que toujours pas maintenant. Je vous paie parce que Dieu sait pourquoi ce tordu d'homme araignée pose pour vous. Spider-Man ne veut plus que je le prenne en photo. Vous avez monté toute la ville contre lui. Et j'en suis très fier, figurez-vous. Bon, enlevez ce joli portfolio avant que l'overdose de guimauve me plonge dans un coma diabétique. Patron, votre femme au téléphone, elle dit qu'elle a perdu sa carte bleue. Merci pour la bonne nouvelle. Monsieur Jameson, s'il vous plaît, vous pourriez pas utiliser une de ces photos? J'ai vraiment besoin d'argent. Oh. Mademoiselle Brandt? Oui. Trouvez-moi un violon. Plus que 5 minutes avant le bouclage. Très bien, passez une photo d'un poulet avarié. Voilà le titre. Intoxication alimentaire, la ville panique. Quelqu'un a été empoisonné? Je commence à avoir la nausée, pourquoi? Voilà, monsieur Jameson.
Minable. Robbie, voilà votre une. La menace masquée terrorise la ville. Je vous assure, ce n'est pas une menace. Et moi, je vous assure. D'accord, on occupe. 150, ça vous va? Non, 300. Exorbitant. Vendu. Donne ça à la fille dehors. De rien. Au revoir. Appelle Déborah. Le traiteur? Dis-lui de ne pas ouvrir le caviar. D'autres petits... J'ai autre chose à faire! Quoi? Votre tension, monsieur Jameson, votre femme m'a dit de vous dire de ménager vos nerfs. Dites à ma femme! Merci. Voici donc la campagne que je propose. Le Bugle, ça c'était facile. C'est le Trip, c'est le Top. Ça c'est ma petite contribution. C'est Choc, ça c'est Erickson qui a pondu ça. Lui, il suffit qu'il s'enfile deux cappuccinos pour qu'il devienne complètement... Et Toc, ça c'est encore moi. C'est l'heure de vos pilules. Pas celle-là. Pas celle-là. Avec un grand verre d'eau. Merci. Dehors ! Vous avez atteint des sommets dans la débilité, vous vous êtes vraiment surpassé ! Votre tension ! Qui êtes-vous ? Vous l'avez embauché il y a une semaine, un freelance. Moi, qu'est-ce qu'ils sont comme ça ? Brock, monsieur, Edward Brock Jr. Qui ? Walt. Eh bien justement, on a un poste. Johnson est parti, vous vous souvenez ? Vous l'avez viré. C'est pareil. Vous voulez un poste et lui aussi ? Y a donc personne qui s'intéresse à ce que je veux ? Si, moi. La ferme, du balai. Je veux que le public voit Spider-Man comme le misérable criminel qu'il est vraiment. Un imposteur, un clown qui colle au mur. Je veux du flagrant délit. Spider-Man prit les pattes dans la toile. Celui qui me ramènera cette photo aura le poste. Alors qu'est-ce que vous attendez là, le nouvel an chinois? Allez, allez! Je suis sur le coup, Patrick. Parker! Mademoiselle Brandt! Vous voulez un coup de main? J'ai pas embauché une débauchée. Regardez-moi ça, Spider-Man en noir. Oh Peter, elles sont fantastiques. Faut les acheter, Jonah. Je vous les prends au tarif habituel. Parker West, un photographe. Et puis, ça te botterait de travailler? Pourquoi vous voulez que ça me botte de travailler? Je vais à l'école. Bah allez, allez, combien pour ton appareil? Sortez un billet de 100. 100? Mais je plaisante! Espèce de petite escrotte. Saleté de... Pour la pellicule, c'est plus. L'homme araignée et le bouffon vert. Le bouffon vert, ça vous plaît? Monsieur, j'ai trouvé Jameson. Ça tout seul. Tous ces tarés doivent avoir un nom à présent. Monsieur Jameson, Spider... Hoffman? Oui? Déposez tout de suite le nom de bouffon vert. Je veux 25 scènes chaque fois qu'on le prononcera. Pourquoi pas la vermine verte? Spider-Man n'a pas attaqué la ville. Il venait la défendre, c'est de la médisance. Je suis pas d'accord. Et je n'apprécie pas. La médisance, c'est en parole. Dans la presse, on dit calomnie. L'ennui, c'est que vous ne faites confiance à personne. Mais si, à mon barbier. Vous vous prenez pour son avocat? Allez, dehors. Qu'il me fasse un procès pour devenir riche comme tout le monde. C'est comme ça que ce pays est de... Toute la ville en parle, Robbie. Ragots, rumeurs, panique dans les rues, avec un peu de chance. Un savant fou se transforme en une espèce de monstre. Quatre bras mécaniques carrément soudés dans la moelle. Un mec nommé Otto Octavius se retrouve avec 8 membres. Quelle coïncidence. Hoffman! Oui. Comment va-t-on appeler ce gars? Docteur Octopus. Minable. Oh, la pieuvre par neuf. Minable. Docteur Strange. Ah, ça c'est mieux. Mais c'est pris. Minute, ça y est. Docteur Octopus. J'adore. Évidemment. Docteur Octopus, le méchant du jour. Doc Ock. Génial. Vous voulez une augmentation? Dehors. Chef, j'ai trouvé Parker. Je vous ai cherché toute la matinée, on vous a coupé le téléphone? Un savant fou perd la boule, on n'a même pas de photo. Pareil que Spider-Man était là. Vous étiez où? À photographier les écureuils? Vous êtes viré! Chef, la fête au planétarium. Ah oui, vous êtes déviré, revenez. Vous savez quoi de la haute société? Oh, Ne répondez pas. Mon photographe mondain s'est fait assommer par une balle de polo. J'ai pas trop le choix. Grande fête pour un Américain héroïque. Mon fils, l'astronaute. Quand on parle du loup... L'homme araignée, j'en étais sûr, vous êtes complices tous les deux! Hé, hey, fiston, laisse un peu parler papa et maman, d'accord?